Chers amis du diocèse de Belfort-Montbéliard, je suis dans la joie de bientôt pouvoir vous rencontrer. C'est la joie de venir vous visiter dans le cadre de ces missions Notre-Dame de Lourdes. Alors je me présente rapidement, je suis le père Anne Guillaume, je suis un des chapelains du sanctuaire à Lourdes. Alors on avait décidé de partir en mission pour vous rencontrer, en particulier pendant ces moments difficiles où tout le monde n'a pas pu venir en pèlerinage à Lourdes, donc cette année en particulier. C'est pourquoi je suis d'autant plus heureux de vous rencontrer, vous visiter dans différents endroits de votre diocèse. Voilà, vous savez que je ne viens pas seul, je vais venir accompagné de Sainte Bernadette elle-même. Alors évidemment, je viens avec un petit reliquaire de Sainte Bernadette. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons vivre une vraie rencontre entre le ciel et la terre, une vraie rencontre pleine d'espérance, et la présence de Sainte Bernadette auprès de nous, je dirais à nos côtés, nous rappelle qu'elle est aussi aujourd'hui exaltée au ciel parmi tous les saints du ciel. Et c'est pour nous comme un relais, comme un tremplin d'être en relation avec elle pour nous fortifier dans la foi et dans l'espérance. Bien sûr, je pense aussi en ces jours où nous nous tournons abondamment vers la Vierge Marie dans le mystère de son Assomption. Nous croyons que Marie est montée au ciel. Ça veut dire tout simplement que Marie est déjà ressuscitée, comme le Seigneur Jésus est déjà ressuscité. Donc la présence des reliques de Bernadette avec nous, eh bien tout cela nous fortifie dans notre foi et dans notre espérance. Finalement, nous allons nous rencontrer, donc vous et moi, mais c'est aussi Bernadette et la Vierge Marie qui vont se rencontrer de nouveau à travers notre rencontre. Nous allons aussi rencontrer Sainte Bernadette, nous allons rencontrer la Vierge Marie. Donc c'est comme si nous étions dans une grande communion entre le ciel et la terre. Pendant ces quelques jours-là, il n'y aura plus de distance entre le ciel et la terre. J'aurai la joie en vous rencontrant de célébrer les Eucharisties, de vous adresser la parole, de vous parler un peu de la grâce de Lourdes, de donner aussi le sacrement des malades, l'onction des malades, pour ceux qui le demandent. Donc tout cela seront de grands moments de joie, d'espérance. Nous allons pouvoir prier ensemble. On fera tout comme si on était en pèlerinage à Lourdes, mais tout en restant dans votre diocèse à Belfort-Montbéliard. Voilà, donc à très bientôt, je me réjouis d'avance de vous rencontrer, de vous connaître, de vous saluer avec Sainte Bernadette et avec la Vierge Marie. Merci.